LG Chaîne 3, le journal. Au sommaire de cette édition, Ayman Khelif décroche l'or au JO de Paris et reçoit les félicitations du président de la République. La success story de cette boxeuse algérienne fait aujourd'hui la une de la presse internationale. Jamal Sedjati pourrait bien offrir à l'Algérie sa troisième médaille d'or. Il dispute ce soir la finale du 800 mètres. On en parlera avec notre envoyé spécial à Paris. Dans l'actualité également, cette terrible attaque de l'armée d'occupation sioniste sur une école à Gaza, bilan provisoire, plus de 100 morts. Le Qatar appelle à une enquête internationale urgente. Et puis, dernier week-end avant le lancement de la campagne électorale, des leaders de partis politiques sont aujourd'hui sur le terrain. L'ANI leur attribuera cet après-midi les créneaux horaires pour leur passage dans les médias. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Elle l'a fait, Ayman Khelif a décroché l'or hier au JO de Paris. Il s'agit de la première médaille olympique pour la boxe féminine algérienne. Aussitôt sacrée championne, Ayman Khelif a reçu les félicitations du président de la République via les réseaux sociaux et par téléphone. Dans une réaction recueillie à chaud, Ayman Khelif a dédié cette victoire à l'ensemble des Algériens. Elle s'exprime au micro de notre envoyé spécial à Paris, Nassima Djaout. يعني ديال كامل الشعب الجزائري والعالم العربي وكل اللي ساندني وفرح معايا الحمد لله هذا هو الرد تاعي ميداليه ذهبيه وفقني الله عز وجل اولا وتعب اكيد ما راحش باطل تعب تاع 8 سنوات الحمد لله هذه ميداليه ديال كامل الشعب الجزائري خليهم يفرحوا خليهم يديفيليو اليوم نهارهم الحمد لله تحيه الجزائر. Cette victoire est effectivement la meilleure réponse que pouvait offrir Ayman à ses détracteurs. Elle fait aujourd'hui la une des grands titres internationaux. Hamza Rahmouni. Les médias français ont mené une campagne de dénigrement et d'acharnement contre Ayman Khelif avant de se ressaisir en adoptant un ton complètement différent et reconnaissant aujourd'hui le sacre de la boxeuse algérienne. D'ailleurs, on pouvait lire comme titre sur le quotidien français Le Monde, Ayman Khelif surpasse les polémiques pour devenir champion olympique. Pour sa part, France 24 avait carrément mis l'accent a carrément mis en avant l'esprit de revanche de Ayman Khelif en titre « La revanche de Khelif ». Autrement dit, c'est une victoire synonyme de réponse aux détracteurs. Le site officiel de la chaîne britannique, la BBC, a intitulé « La consécration de Ayman Khelif, les attaques rendent l'or plus doux pour Ayman ». De son côté, le média américain CNN n'a pas tari d'éloge sur la championne olympique algérienne. Khelif remporte la médaille d'or après une tempête sur les réseaux sociaux. La radio canadienne publique a pour sa part mis l'accent sur la réaction de Ayman Khelif et du public algérien en évoquant dans son papier la controverse entourant sa présence au JO a servi de catalyseur au sein de la communauté algérienne. Et nous avons en direct depuis Paris notre envoyé spécial, Nassima Djaout. On assistera probablement ce soir à un troisième sacre, celui de Jamal Sedjati. Nassima, bonjour. Bonjour Siham, 18h05 sera lancée la finale du 800 mètres avec le meilleur performeur mondial de l'année, Jamal Sedjati, 1:41:46. Il aura pour adversaire le Kenyan Emmanuel Wanwani, également un athlète qui a déjà couru sous la barre des 1:41:70. Et donc, ça va être une compétition très relevée, de haute facture, puisqu'il y aura les meilleurs dans cette finale. Jamal Sedjati, s'il nous refait les mêmes stratégies faites donc lors des demi-finales et lors des qualifications, eh bien, il est potentiellement médaillable. Et Jamal Sedjati, avec son entraîneur Amar Benida, ont réussi à faire une excellente stratégie, puisque vous savez, le concours, c'est un véritable concours sur 4 jours, donc les qualifs, les demi-finales et la finale. Et Jamal Sedjati est en train de gérer ses efforts, ses courses pour être au top aujourd'hui, pour aller chercher justement une médaille d'or ce soir à Paris. Merci Nassima Djaout, on vous retrouvera tout à l'heure dans nos prochains points de l'actualité. Il est 12h bientôt 36 minutes sur Alger Chaîne 3. Alors qu'elle avait accepté de reprendre les discussions sur une trêve à Gaza à partir du 15 août, l'entité sioniste a commis à l'aube un énième massacre. La frappe a ciblé une école située à l'est de la ville, faisant plus de 100 morts selon un bilan provisoire établi par la défense civile palestinienne. L'attaque a été particulièrement violente, des personnes ont été brûlées vives, d'autres ont été déchiquetées. Une attaque qui constitue en soi un crime de guerre et un crime contre l'humanité, Karima Hasnaoui.
L'école Tabérine servait d'abri à plus de 250 déplacés forcés, des familles entières poussées par l'occupant israélien à quitter du jour au lendemain leur foyer. Une cible de choix pour un occupant sanguinaire dont la mission est de poursuivre le nettoyage ethnique de la Palestine. Ce terrible massacre est une preuve à charge montrant la nature, la nature génocidaire des crimes d'Israël en Palestine occupée. Maître Olfa Ouled, avocate française spécialiste du droit international public. Effectivement, en droit international, on a les crimes de guerre qui sont les attaques contre les populations civiles en temps de guerre. On a les crimes contre l'humanité qui reçoivent eux aussi une définition précise. On a les disparitions forcées, la torture et on a le génocide qui est le degré quelque part le plus grave en droit international puisque parfois on appelle le mal absolu. Cette attaque qui a eu lieu, elle a encore entraîné la mort d'enfants, la mort de femmes et d'hommes qui finalement se font tuer tout simplement parce qu'ils sont palestiniens. Pour moi, encore une fois, mais sous réserve de la qualification qui sera retenue, ça s'inscrit dans le génocide qui est actuellement conduit par Israël. Je voudrais juste terminer en disant que la rapporteure spéciale de l'ONU sur les territoires occupés, elle s'est excusée ce matin en disant que les États alliés d'Israël fournissent toutes les armes pour exterminer les Palestiniens. Les avions de guerre de l'occupant israélien ont pillonné cette école avec 3 missiles au moment où s'est déplacé effectuer la prière d'El-Fajr, un acte criminel délibéré. La cruauté d'Israël n'a aucune limite face au silence complice de la communauté internationale. Ahmed Allami, président de l'association des orphelins de la Palestine. Au moment où les pays, les uns et les autres, comptent leur médaille au JO de Paris, nous, Palestiniens, nous comptons nos martyrs. Aujourd'hui, à l'aube, un énième raid a visé un centre de réfugiés. C'est une école dans laquelle il n'y a que des civils, une cible très facile de l'occupant qui se sent donc au-dessus des lois, n'a plus de limites. Il est temps que le monde puisse intervenir, qu'il puisse réagir. On ne comprend pas cette impuissance ou ce désintéressement à la vie humaine. Il y a des enfants, surtout des enfants, tués dans leur sommeil, des adultes qui faisaient leur prière. Le nombre de martyrs parmi les enfants et les personnes qui étaient en train de faire la prière dépasse les 125 à 7 heures à l'heure à laquelle où je vous parle. L'armée d'occupation israélienne a ciblé en 10 jours 13 centres d'hébergement des civils déplacés. Le 4 août, bombardement des écoles à Nusra et à Salem dans le quartier d'Al-Nasr, 30 civils tués, principalement des enfants. Jeudi dernier, les écoles Zahra et Abd al-Fattah Hamoud dans le quartier de Tufa, 15 martyrs dont des enfants. Qui stoppera la folie meurtrière d'Israël ? Personne ne semble avoir de réponse. Les condamnations de cette attaque abjecte s'enchaînent. La rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens dénonce un génocide. Le Qatar demande lui une enquête internationale urgente, Nassera Mejadel. Qui joue le rôle de médiateur entre l'entité sioniste et la résistance palestinienne réclame l'envoi d'enquêteurs indépendants de l'ONU afin de mener des investigations sur le ciblage continu par les forces d'occupation israéliennes d'écoles et d'abris pour les personnes déplacées. Le massacre de l'école Tabe'in dans le centre de Razzaville, un crime horrible qui représente une escalade dangereuse, dénonce le mouvement de la résistance palestinienne Hamas. Le porte-parole officiel de la présidence palestinienne Nabil Abu Rudaina a condamné cet énième massacre perpétré par l'occupant sioniste qui hébergeait des déplacés palestiniens. Condamnation également de la Jordanie, cette attaque constitue une violation flagrante du droit international, souligne son ministère des Affaires étrangères. L'Égypte également condamne ce massacre et a appelé à une action internationale pour protéger les Palestiniens de l'enclave palestinienne. Le Parlement arabe n'a pas tardé à réagir, il condamne avec force ce massacre. L'entité sioniste a commis un acte terroriste et lâche, souligne le Parlement arabe. Autre réaction, celle de l'OCI qui condamne ce nouveau crime, le qualifiant d'extension des massacres et de génocide commis par l'occupant sioniste. Et vous le disiez, Siam Bacha, la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens, l'italienne Francesca Albanese, accuse carrément l'occupant sioniste de génocide de Palestine. Au moins 60 000 Palestiniens ont cherché refuge dans les zones occidentales de la bande de Gaza après la récente décision d'évacuation annoncée par l'armée d'occupation sioniste il y a quelques jours. C'est ce que rapporte le bureau, le porte-parole du bureau du secrétaire général des Nations Unies. Cette annonce a été faite lors d'une conférence de presse donnée hier. Au chapitre élections présidentielles, dernier week-end avant le début de la campagne et dernier préparatif, les candidats connaîtront aujourd'hui les horaires de leur passage à la radio et à la télévision. Les tranches horaires seront attribuées à l'issue d'un tirage au sort supervisé par l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. La loi exige que le temps de passage soit équitable entre les différents candidats. La campagne électorale et les garanties légales pour la réussite de l'élection présidentielle, c'est le thème d'une journée d'études organisée aujourd'hui par le mouvement
mouvement Albina, les cadres du parti ont expliqué les mécanismes mis en place pour éviter tout manquement ou tout dérapage. Sami Alloun. Une journée d'études organisée dans le cadre des activités liées aux préparatifs des prochaines élections présidentielles. Les différents membres du mouvement, des experts, entament des discussions, des débats autour des aspects les plus importants pour réussir la campagne électorale en se référant aux garanties légales. Les différents membres du mouvement, des experts présents, ont mis l'accent sur l'importance de la formation de tout élément en rapport avec cette opération pour réduire la marge d'erreur, réduire le pourcentage d'échecs et encourager une gestion plus transparente et plus efficace de l'opération. Salah Bolsif, membre de la commission de suivi et des préparatifs des élections présidentielles du mouvement Albina. Cette journée d'études peut participer, peut donner un peu d'orientation, un peu d'information, un peu d'accompagnement à tous les intérêts de cette élection présidentielle. Tout ce qui concerne la partie légale, tout ce qui est règlement, tout ce qui est loi, tout ce qui est procédure, de toute la phase de la campagne électorale. Pendant la campagne, c'est la passerelle entre les élus, entre la masse électorale, et là où il y a des fautes, hein. Beaucoup de fautes, ça se passe au niveau de la campagne électorale. Le parti Albina, il a vu que c'est intéressant de mettre en place ce produit pour participer dans la scène politique, pour un peu toucher tout ce qui est pratique. Des exemples de triche, de fraude sont donnés en rapport avec le financement de la campagne, avec la collecte des signatures, des pratiques du passé qu'il faut éradiquer selon les différents intervenants pour aboutir à un climat optimal et transparent durant les prochaines échéances électorales prévues pour le 7 septembre prochain. Le FLN, le Front de Libération Nationale, a organisé lui ce matin une rencontre avec les acteurs de la société civile. Smaïl Mimouni. Le secrétaire général du parti FLN a tout d'abord rappelé les militants du parti et les membres de la société civile de l'importance du rendez-vous du 7 septembre prochain. Une étape cruciale qui mènera vers l'achèvement de la concrétisation de l'Algérie nouvelle. Abdelkrim Bembarek, secrétaire général du FLN. L'Algérie se rapproche d'une étape importante sur son chemin démocratique et cela nécessite que la société civile joue un rôle important pour la réussite de cette étape lié à l'avenir de l'Algérie en achevant le processus de l'édification et de développement entamé avec force et mérite depuis l'élection de Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019. Le rôle de la société civile est central dans les prochaines séances. Abdelkrim Bembarek. L'activité permanente et intense de la société civile représente l'esprit de sacrifice, d'engagement et de solidarité. Cette activité doit se distinguer lors des élections présidentielles en sensibilisant à l'importance de ces élections, en appelant les citoyens à participer massivement le jour du scrutin et à effectuer un travail de bénévolat qui sert le même objectif et en soutenant notre candidat. Pour mieux organiser le travail de la société civile sur le terrain durant les élections présidentielles prochaines, le SG du FLN a annoncé le lancement du réseau interactif de la société civile. Et la cellule de l'Observatoire de la société civile de Radaya a organisé aujourd'hui une journée de sensibilisation autour de ces élections. Mahfoud Karkar. La cellule de l'Observatoire national de la société civile, la Radaya, a organisé ce matin une conférence intitulée « La société civile et les élections entre la consolidation de la démocratie participative et l'édification de la nation ». Abdelmajid Bouhamer, membre de l'Observatoire national de la société civile. Ça rentre dans le travail de proximité qu'on fait l'Observatoire national des sociétés civiles pour la sensibilisation de la population pour la participation intensive dans les élections. On a programmé 3 conférences, une pour donner la lettre de l'Observatoire de société civile, pour encadrer et accompagner la société civile et les associations spécialement, et aussi comment sensibiliser la population à participer intensivement dans les élections prochaines. Et la troisième, comment mobiliser la femme, parce que la femme chez nous a un rôle très important. Des rencontres et des tournées pour sensibiliser sur les élections. On a organisé plusieurs rencontres qu'on doit faire dans les communes et dans les quartiers et dans les sourds pour toucher la population porte à porte et mobiliser le maximum des gens pour cet événement qui nous touche tous de loin ou de près. Lors de la conférence, des intervenants ont insisté sur la participation massive le jour du scrutin pour renforcer les acquis réalisés dans différents secteurs. De Rdé Mahfoud Kerker pour Al-Jishan 3.
Le FFS qui prend part justement à ce scrutin a présenté aujourd'hui le programme de 100 candidats au cadre du parti. Dans le reste des activités politiques, le président du Front, Al-Mustaqbal, a présidé une rencontre des jeunes de son parti en prévision de la campagne électorale. La campagne électorale, c'est aussi le thème d'une rencontre nationale organisée aujourd'hui par les scouts musulmans. Le train reliant l'Algérie à la Tunisie est de nouveau opérationnel pour sa mise en service. Il a démarré ce matin depuis la gare de Soukharas avec à son bord le ministre des Transports, notre correspondant Sadak Bouraoui. Après les importants travaux de réhabilitation de l'infrastructure de base et après deux tests de performance des attelages et de la locomotrice qui ont dégagé des résultats concluants, le train transfrontalier reliant l'Algérie à la Tunisie a été mis en service ce matin à partir de 10h30 dans le sens Soukharas-Gardimaou, à son bord le ministre de Transport Mohamed Habib Zahana. Ce premier responsable a fait le déplacement entre la gare internationale de Soukharas et la gare tunisienne de Gardimaou, en rappelant que les travaux de réhabilitation de la gare ferroviaire de Soukharas ont été achevés dans leur totalité avec un look très moderne et le train devant assurer la desserte se compose pour le moment de 4 wagons pouvant accueillir 80 passagers chacun, soit 320. Au total, la durée du traitement des documents de transit ne dépassera en aucun cas les quelques minutes, pour chaque voyageur bien sûr, et la durée du transport n'excédera pas les 6 heures de route de Soukharas à Tribouraoui pour Al-Jeshan 3. On arrive à notre dernier numéro de la série de reportages consacrée cette semaine à Tindouf, une wilaya qui a bénéficié de plusieurs projets, notamment dans le domaine de la santé, de nouvelles structures qui permettront à ses habitants d'éviter de longs déplacements vers les wilayas voisines. Hassan Chemaj. Afin d'améliorer la prise en charge sanitaire de la population de Tindouf, la wilaya a bénéficié d'importants projets dans le domaine de la santé. Mustapha Dahou, wali de Tindouf. Le premier projet, c'est la réalisation d'un hôpital de 120 lits à la commune de Tindouf, réalisation d'un hôpital de 60 lits à Oum El-Hassem, réalisation d'un hôpital 60 lits mère-enfant à Tindouf et réalisation d'un centre d'hémodialyse de 24 générateurs à la commune de Tindouf. Pour une IRM ou un scanner, les patients se déplaçaient dans d'autres wilayas. Aujourd'hui, l'hôpital de Tindouf est équipé. Bouzid Nour Sadat, secrétaire général de la wilaya de Tindouf. On a inscrit une opération pour équiper l'hôpital mixte à Tindouf. C'est pour l'acquisition d'un scanner IRM de la dernière génération qui permettra aux citoyens de Tindouf de se soigner et de ne pas déplacer à la wilaya de Bécha. La wilaya de Tindouf souffre du manque de spécialistes. Le docteur Bourrara, chef de service au niveau de la direction de la santé de Tindouf. Ça nous manque toujours des spécialistes. Il y en a certaines maladies qui demandent une prise en charge hors wilaya, par manque de spécialistes toujours. Pour maintenir les spécialistes à Tindouf, il a été décidé de réaliser des logements équipés. Monsieur le Président a décidé de réaliser 90 logements améliorés au profit des médecins spécialistes pour permettre à ces médecins d'exercer leurs fonctions dans des bonnes conditions. La population bénéficiera d'une meilleure prise en charge et n'aura pas à se déplacer dans d'autres wilayas pour des soins. On termine par une virée à Médéa pour vous permettre de visiter la maison de l'émir Abdelkader, transformée en musée des arts et des traditions populaires. Sid Ali Fares. La demeure de l'émir Abdelkader, construite à l'époque ottomane, fut la résidence des beys de Titri jusqu'au dernier bey, Mustapha Boumzrag, classé monument historique en 1993. Elle fut restaurée en 2007 pour être érigée en musée des arts et traditions populaires depuis 2010. Samia Younsi, architecte des biens culturels et directrice du musée de Médéa. Le musée est là pour vocation de faire découvrir le patrimoine rural et traditionnel de la région. Les œuvres conservées au musée sont celles consacrées à la vie quotidienne. Les vêtements, les bijoux, la vannerie, les tapis, la broderie, la céramique. Ce musée il englobe donc tout ce qui est patrimoine, le matériel et l'immatériel. Les pièces maîtresses de ce musée. L'épée de l'émir Abdelkader, ce qui est aussi objet ethnographique, l'artisanat algérien. Et si on parle des espaces. Donc il y a la bibliothèque, il y a l'atelier des enfants, il y a le jardin qu'on entretient tout le jour, que vous avez au Stade d'Arles, vous avez la galerie supérieure du musée. Le musée permet aux visiteurs de mieux connaître les collections anthropologiques, archéologiques qui mettent en valeur l'héritage des civilisations islamiques. Merci d'avoir suivi ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Segni. Merci également à Nassim qui était à la technique, Nassim à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, c'est la météo présentée par Fatema Sharef, suivie de votre émission Le Débat Politique à partir de 13h.